Eh bien salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui une vidéo, voyez-vous, avec une configuration assez spéciale. Voyez-vous, j'ai un casque sous les oreilles. Ce n'est pas pour rien, ce n'est pas pour écouter la musique évidemment. Mais c'est pour entendre notre invité. Notre invité très spécial évidemment, qui se nomme... DRK. Ah, donc je suis moi-même l'invité de ma chaîne. C'est ma pâle copie que vous entendez. Non, évidemment, on se retrouve aujourd'hui avec... Cantinope. Ça fait un petit moment, je crois que t'es pas... On n'a pas fait un truc ensemble sur la chaîne. Si je me trompe pas. Je compte pas les jours. Je compte pas non plus. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire du juste prix. Pour ceux qui connaissent, c'était une émission qu'il y avait sur TF1, si je me trompe pas. Ouais. Présentée par Vincent Lagaffe. Je pense que pour la plupart, c'est assez mythique. À part si vous êtes né en 2010. Et évidemment, on va pas refaire l'émission. Vous voyez bien que je n'ai pas les sous, je n'ai même pas la configuration. J'ai juste un PC et un ami qui n'est pas à côté de moi pour faire ça. Donc je vais certainement pas refaire l'émission, évidemment. Mais par contre, on va faire le concept du nom du l'émission, de l'émission. Le juste prix. On va chacun de nos tours, voilà. Nous gagnons un point, évidemment, quand nous trouvons le juste prix. Enfin, c'est plus tout. Et à la fin, du coup, de tout ça... Le gagnant, évidemment, pourra donner un gage ou quelque chose d'autre si t'as une autre idée ou quoi que ce soit. Deux, un, go. Oh putain, 5 000. Plus. 10 000. Plus. 30 000. Voilà, c'est ça. Mais moi j'ai que des prix ronds aussi, vas-y, ça saoule. 30 000, c'est pull. Non, je suis vraiment choqué, même pas par le fait que je gagne, mais par le fait que c'est pull, là, de merde, 30 000. Le Père Noël qui rit une licorne. Un maximum, pas plus de 2 000. Ah ouais. C'est parti. 100. Plus. 200. Plus. 300. Plus. 400. Moins. 350. Moins. 320. Plus. 330. Plus. 340. Moins. 335. Moins. 332. Plus. 333. Plus. 334. Oui, il a réussi. Ces putains de lunettes valent 334 euros. Ça va? Ça va vous? Alors, je crois que t'es pas prêt pour ce que je vais t'envoyer là par contre. Alors, je te donne la fourchette entre 900 000 et 100 000, d'accord? Entre 900 000 et 100 000, ah ouais. 3, 2, 1, go. Qu'est-ce que... 500 000? Plus. 600 000? Plus. 700 000 ? Moins. 500... 660 ? Moins. 650 ? Plus. 655 000 ? Moins. 654 000 ? Moins. 640 000 ? Plus. 645 000 ? Plus. 646 000 ? Non, stop, non. C'était plus, mais... 650 537. Ah, déjà ils font chier pour les prix par an. Mais comment c'est compliqué quand il y a du 537, les trucs comme ça, c'est impossible. Tout ça pour pouvoir écrire. Oui. Mec, je passais à l'école, je lui fais mais déjà ton truc il est moche. Puis après il me rajoute le prix, je fais putain. Alors là par contre. Tu vas t'amuser. Tu vas voir le truc, tu vas faire ça coûte pas cher. Pas plus de 2000. Parti. D'accord. 200. Plus. D'accord. 300. Plus. 400. Plus. 1000. Moins. 800. Moins. 700. Moins. 600. Moins. 500. Moins. Quoi? 450? Plus.
480. Plus. 490. Plus. 495. Plus. 498. Plus. 499. Ouais. C'est 499, mais la virgule, j'ai pas compté. Bon, t'as mis 35 secondes, mais t'as vu là? Je savais que t'allais galérer sur ça, tu te dis, ouais, c'est des Lego, ça coûte pas cher. Puis après, le mec, il a fait, attends, tu sais combien ça sèche. Et puis après, il est monté dans les. Mais non, mais je suis arrivé, j'ai fait 200, 300, tu me dis, j'ai plus, j'étais en mode, bon, à 1000. En plus, ils arrêtaient aux 400, après, on va te passer à 1000, alors qu'il fallait continuer dans les 400. T'aurais dit 500, je t'aurais dit moins, du coup, t'aurais perdu moins de temps. Je sais pas si je te donne une fourchette pour lui, hein. Ah, je saurais pas te dire pour toi. Parce qu'il est simple à trouver en vrai. Non, vas-y, je te donne pas une fourchette. 3, 2, 1, go. 10 000 ? Plus. 15 000 ? Plus. 50 000 ? Moins. 40 000 ? Moins. 30 000 ? Ouais. Qu'est-ce qu'il a de spécial cet ourson pour valoir aussi ? Alors, cet ours rend hommage à ses créateurs, Margaret et Richard Steiff, et est fabriqué pour les 125 ans de la firme en Allemagne. De ce fait, il s'appelle le Steiff 125 Cara Teddy, en référence, blablabla. Fabriqué en peluche de mohair, de soie, avec des fibres en or, il est accompagné de l'éléphant, créé par Margaret Steiff en 1847. Les yeux de l'ours sont composés de deux saphirs bleus de 6 carats et entourés de 40 diamants. Un carat pour chaque. Sa bouche et son nez sont en or 24 carats. Il est entièrement articulé et mesure 50 cm. Son luxueux mohair coûte 1000 euros. Le maître qui demande 20 heures de travail. Les fils d'or sont cousus dans sa fourrure par un fabricant de perruques professionnelles. Laine de haute qualité, 47 diamants en plus. Voilà, 14 boules d'onyx. Voilà quoi. Un petit bijou. Ah ouais. Bah, c'est sûr, c'est le fait avec des fibres d'or. Oui, tu m'étonnes que ça coûte aussi cher. Tu vas aimer essayer de le chercher. Je te donne une fourchette en pas plus haut que 5000. Parti. Oh, c'est 1000. Plus. 2000. Plus. 3000. Moins. 2005. Moins. 2004. Plus. 2450. Moins. 430. Moins. 420. Moins. 410. Plus. 415. Moins. 412. Plus. 413. Plus. 414. Vous t'avez un peu plus de temps. Parce que en vrai 15 ça fonctionnait, mais je voulais le 14. Mais voilà, c'est. Ça fait cher, mais en vrai elle est très stylée quand même. Oh, il est méga stylé. Les amis. La caméra ne tournait plus. Bon, après, j'ai la caméra de merde du PC, mais je la regardais pas. Bon. Du coup, j'ai pas du tout les résultats, à vrai dire. Moi non plus. Bon, en tout cas, les amis, j'espère que ça vous aura plu quand même. Alors, des choses à améliorer sur le concept. Déjà, on va cesser genre des 30 secondes. Je pense que c'est le nickel pour, pour les prix. Parce que là, c'était vraiment short. Je pense que si je fais un épisode avec des prix bas. Genre pas plus de 100 euros ou 2000, enfin au 1000, 20 ouais, ou 15, ça sera bon. Si j'ai vraiment l'envie de trouver le vainqueur, n'hésitez pas à nous suivre sur nos Instagram, car je le dirai sur Instagram. Et s'il y a un gars, je vous le dirai, ou je vous le dirai dans la prochaine vidéo. J'essaierai de faire encore plus propre, parce que là j'ai essayé de faire au plus propre que je pouvais pour le premier épisode, mais bon, c'est un premier épisode. On essaiera d'en faire un deuxième et pourquoi pas même des fois avec plusieurs personnes. Je pense que c'est peut-être avec un arbitre aussi, peut-être. Ce sera plus facile, peut-être. Mais bon, dites-moi si déjà vous avez aimé cette vidéo, si elle vous a fait découvrir des choses, peut-être pourquoi pas aimer, voilà. Et puis, si vous avez pleuré devant tous ces prix exorbitants, aussi. Des prix que nous n'aurons peut-être, des objets que nous n'aurons peut-être jamais pour vous. C'est pas peut-être, des objets que nous n'aurons jamais, pour rien. Bon. Les amis, en tout cas, n'hésitez pas à passer par nos chaînes, évidemment, chaîne YouTube pour Monsieur Coquinoc, qui s'appelle Coquinoc, et pour moi, évidemment, vous êtes sur la mienne, sinon je ne sais pas ce que vous faites là. Évidemment, de passer par nos Instagram respectifs, moi qui s'appelle Rex Le Fort, qui est marqué là, sur votre écran, ainsi que celui de Coquinoc, qui est juste tiré du bas, Coquinoc tiré du bas, voilà, tout simplement. Évidemment, nous avons des chaînes Twitch aussi,
que je mettrai à l'écran. Évidemment, même si en ce moment on n'est pas très actif, mais peut-être que pendant les vacances. Ouais, pendant les vacances, j'essaierai de faire un truc. Si vous voyez ça au début des vacances, restez actifs. Voilà, allez sur Twitch et tout. Peut-être qu'on y sera. De toute façon, sur Instagram, il y aura tout le temps une story qui dit qu'on est en live, je pense. Évidemment, c'est le principe. Et moi, pour ma part, sur Instagram, je vous restez connecté avec moi pour savoir quand il y a de nouvelles vidéos, ou si j'ai besoin de personne ou même ma vie annexe. Par exemple, hier, j'ai mis mon manteau en story. Voilà, j'espère que ça vous est intéressé. Tout le monde a dit c'était la vidéo. Voilà, vous avez le droit de me suivre juste pour mes manteaux que je mets sur Insta. J'espère. Voilà, c'est très très vendeur pour vous. Et on vous souhaite une bonne journée. Et tu serais bon en marketing. Ah, je pense que franchement, je pense que tout le monde s'est abonné juste pour ça. Un dernier mot peut-être pour toi, avant de nous laisser, mon cher. Eh bien, bonnes vacances. Voilà, tout à fait. Bonnes vacances. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et pourquoi pas pour un nouveau juste prix. Voilà.